Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je vais vous demander, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui regardent cette vidéo, de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, comme d'hab, vous savez déjà. Abonnez-vous sur mes réseaux sociaux, Land42 sur Snap, Land42 sur Instagram, Land42 sur Twitter, Land42 partout en fait, vous savez déjà. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur beaucoup de commentaires que je reçois par rapport à ma façon d'être, mon caractère, etc. On va pas me dire ça méchamment, mais il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Oui, est-ce que t'es vraiment comme ça dans la réalité ?» Ou « Est-ce que c'est un rôle que tu te donnes ?» On me demande si je suis moulouba, on me dit qui viennent me dire « Ouais, les gens pensent que tu fais grave la maline, mais en vrai, t'es trop bien, j'aimerais trop être comme toi. Franchement, t'as trop de confiance en toi. » Il y a des gens aussi qui viennent me dire « Complexe d'infériorité » ou je sais pas trop quoi, que je fais trop la maline, que je me prends pour quelqu'un. Un truc comme ça, que je suis trop vantarde et tout et tout et tout. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour éclaircir tout ça et pour vous expliquer le comment, du pourquoi, comment ça se fait que je suis devenue comme ça, parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Je vais vous expliquer en chap-chap que c'est réel, c'est pas réel, si je suis vantarde ou je suis pas vantarde, si pourquoi est-ce que j'ai confiance en moi ou c'est un complexe d'infériorité comme disent les gens, ou voilà quoi. Donc, on va commencer... Pour commencer, je ne suis pas moulouba, non. Je pense que je le dis tout le temps parce que je suis trop fière de mes ethnies. Je suis Mungala Mutetela de mon père et Mukongo de ma mère. Mais bon, c'est vrai que je dis presque jamais que je suis Mukongo, mais je suis Mukongo. Mais vu qu'on croit les origines du papa et les ethnies du papa, je suis Mungala Mutetela. Donc voilà. Après, il faut savoir que les Batetela, petit cours de géographie, histoire, tout ça. Il faut savoir que les Batetela, ce sont des Baluba refoulés, on va dire. Donc, en fait, les Batete, les Baluba, c'est des gens de Kassai. Donc, on a près plus ou moins le même comportement, j'ai envie de dire. Déjà, premièrement. Deuxièmement, est-ce que je fais semblant? Moi, sur YouTube, là, je suis Landrine, elle est comme ça en vrai. Je fais semblant. Pourquoi? Les gens qui me côtoient, qui m'ont déjà côtoyé, qui montent sur les réseaux depuis longtemps, genre Snap et tout, même avant que je devienne YouTubeuse. Ils savent déjà que Landrine, en vérité, c'est une meuf. Je suis grave comme ça, en fait. Je sais même pas quoi vous dire sur ça, parce que moi, je suis grave comme ça. Je ne fais pas semblant. Moi, en fait, j'étais pas du tout comme ça étant petite. En grandissant, vous savez, moi, j'habite dans une petite ville où, ça, les 97, 96, on n'est pas beaucoup. On n'était pas beaucoup, on n'était pas des masses. Il faut savoir que tous les Renois se connaissaient. Et ouais, mon groupe de copines, on était quand même... des renoises qui sortaient du lot. C'était des meufs, on se débrouillait, on était propres, on allait à l'école, enfin pour certaines, on était là, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire qu'on était des meufs qui sortaient du lot. On va dire ça comme ça pour une petite ville. Moi, en grandissant, je me suis démarquée comment? Parce que je suis devenue la cible. C'est pas pour faire la mesquine du tout, mais genre, ils ont décidé de me faire devenir leur souffre-douleur. Moi, Landrine Lola, souffre-douleur. Moi, la bienvenue Lola. N'allie pas ça, n'alliège. Moi, Landrine Lola, souffre-douleur. Frère, va tout n'a quitté. Et... moi, Nzetambi la boca te cola. Je vous explique. Pour que je devienne vraiment comme je suis aujourd'hui, ça m'a pris du temps. C'était petit à petit. Déjà, comme je l'ai dit avec mon groupe de copines, on était des filles qui sortaient du lot. J'ai mes frères et ma grande soeur qui étaient déjà dans un milieu, comme je vous l'ai toujours dit, qui était déjà là, dans notre petite ville, et même ailleurs, qui était déjà assez connu. Donc, j'ai eu facile aussi à me faire connaître. Mes autres copines avaient des frères et sœurs, mais moi, c'était trop. C'était trop. En plus d'avoir des frères et des sœurs, ma sœur, elle avait des potes. Mes frères, ils avaient des potes. Donc, ça veut dire que j'étais la petite à tout le monde. Donc, ça veut dire intouchable. Vous avez capté? C'est ce qui a fait que je suis devenue une personne qui sortait encore plus du lot. J'ai capté le fait que, comme je l'ai dit, que les gens ont décidé que je devais devenir le souffre-douleur de cette ville. Donc, ça veut dire que les gens, ils étaient là. Il y avait, vous connaissez, il y a les comptes et tout, les comptes fake et tout. Ils affichent des gens et tout. Il y
Y a pas de souci, tu vois, il y a tout le monde qui passe quand t'es, tu sais que t'es connu. Pas choqué en fait. Moi, ça me choque pas. Parce que comme moi et mon pote, on aime bien dire, on est des têtes d'affiche. Surtout dans des petites villes comme Liège, Verviers, Mons, Namur. C'est des petites villes. Quand t'arrives quelque part, il y a des têtes d'affiche. Donc, on va dire, à Liège, tu connais qui? Dans ma génération, on va dire mon nom. On va dire le nom d'un tel, un tel, un tel. Des têtes d'affiche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, faut pas s'étonner de passer dans des comptes comme ça. Il y a les comptes qui affichent tout le monde et puis les comptes qu'on fait spécialement pour toi. Moi, Landrine, là, comme je suis là, j'ai eu au moins, allez, 15 comptes à mon nom. Donc, Landrine, à chaque fois, Landrine, les noms qu'ils inventaient, mais des comptes à mon nom. À mon nom. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, je pensais que c'était de l'harcèlement, mais je me suis dit, hé. Comme dirait Vénanga, grand prêtre Kofi, m'a raté, mais balobela a ngoté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on parle de moi, c'est parce que ça marche, c'est parce que je pique. C'est parce que je fais tourner la tête. Eux qui m'ont rendu comme ça parce que j'ai remarqué qu'en fait, quelqu'un, vous avez le temps, genre vous créez adresse mail, tout ça, Instagram. J'aimerais aussi dire un petit truc sur l'histoire de compte fake et tout. Franchement, les gens qui font ça, vous n'avez pas de cœur. Moi, je touche la Bible, je lève ma main droite. Hein. J'ai jamais fait de compte fake de ma vie depuis que je suis née, moi, Landrine Lola. Moi, j'ai une grande bouche. Ça, tout le monde le sait. C'est pas, je dis pas ça, je suis pas fière, mais moi, si j'ai envie de dire un truc à quelqu'un, je vais pas aller passer par quatre chemins. C'est ça qu'on me reproche d'ailleurs. Si je veux dire un truc, ça va sortir tout seul. Faut savoir que les gens à qui vous faites des fakes, il y a des gens qui sont pas esprit, qui ont pas un mental, qui sont là, ouais, et tout, je m'en fous. Parce que, comme dirait ma mère, les pâtés, et là, elle a raté. Ça veut dire que quand il y a une situation, je fais toujours en sorte de rigoler. À partir du moment où tu pleures, tu montres à l'adversaire ta faiblesse, il est content, il a réussi. Mais à partir du moment où t'en rigoles, il se dit, mais Stella, elle est folle ou comment je suis là, je la taille et tout, la meuf, elle est là, elle s'en bat les couilles. Non, alors d'aujourd'hui, j'ai eu des fakes dans ma vie. Moi, j'ai des frères, j'ai une grande soeur, j'ai un petit frère, j'ai une petite soeur. Faut savoir que ce qui se passe sur les réseaux, ça reste sur les réseaux. Ça veut dire que ça peut rester pendant des années. Le bon, on va avoir des enfants. Il y a les captures et tout et tout et tout. Je pense pas que si vous, les créateurs des comptes fake, on vous fait ça avec un truc vraiment pas bien, genre, je sais pas, une photo nude. Vous êtes sur le mode cette photo à votre enfant, je pense pas que vous serez content. Soit faites-vous pousser des couilles et allez trouver les personnes concernées, soit rien du tout en fait, parce que faire des comptes fake, vous êtes plus des lâches qu'autre chose. Vandine a boulé, je me suis dit, mais en vérité, 15 fake. C'est à ce moment de ma vie que je me suis dit, non, Landrine. T'es quelqu'un. Là, je me suis vraiment dit, les gens, ils ont trop de temps. Moi, j'ai confiance en moi. Si vous n'avez pas confiance en vous, qui va avoir confiance pour vous? Voilà, moi, j'ai confiance en moi. Je sais qui je suis. Je suis Landrine Lola, Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles. Donc, voilà quoi. La taille qu'il faut, elle coach des modes. Faut savoir qui vous êtes dans la vie parce que sinon, il n'y a personne qui peut vous aimer comme vous vous aimez vous-même. Moi, on m'a dit, ouais, les gens, ils t'aiment pas. Navanda, Penza, Naboula. Je me suis dit, non, les gens, ils m'aiment pas, mais je vais m'aimer moi-même pour compenser. Parce qu'on n'a pas toujours besoin des gens autour de nous. Hein. Ça, c'est une connerie. La confiance en moi que j'ai attrapée à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça qui fait fuir ou qui fait peur ou qui fait que les gens, ils savent pas comment m'atteindre. Franchement, les gens, ils savent plus comment m'atteindre parce qu'ils ont tout essayé. Il y a rien qui va. Moi, je sais que je suis quelqu'un. Si toi, tu es quelqu'un, c'est bien. Mais moi, en tout cas, je sais que je suis quelqu'un. Ça, personne ne va me l'enlever de la tête. Et c'est un conseil que je donne à beaucoup de petites... mes abonnés qui viennent me dire oui, qui viennent me poser des questions, qui viennent me demander des conseils. La première chose, ayez confiance en vous. Toutes les petites et tout qui m'envoient des messages, oui, Aya, j'ai envie de devenir youtubeuse et tout. Aie confiance en toi. 100% des gens qui regardent tes vidéos, ce sont des gens qui t'aiment pas. Ils cherchent juste Landrine Arolobanini. Est-ce qu'elle va faire une fête de français? Est-ce qu'elle va mal se maquiller? Est-ce qu'on va voir quelque chose ou est-ce qu'elle va faire... Ils attendent que ça. Ayez confiance en vous. Je ne suis pas hautaine. Je suis juste Landrine Lola. Voilà. Talaka Kandoya Paradis. Fais un cas à bisauter. Bisauter mon boulot fort. Un dernier mot pour la fin. Franchement, les gens qui font des fakes. J'appelle pas ça des fakes. Moi, j'appelle ça des pages fans. Comme... Vous voyez Cardi B, Kim. Il y a des gens, ils ont fait des pages, alors non, ils mettent leurs photos, tout ça. Mais moi, je trouve que c'est la même chose. Si vous prenez les choses comme moi, vous allez être moins triste dans la vie. Il y a un mot page fan. Il y a un mot loté. C'est pas grave. Tant qu'on met rien de fou sur vous, parce que vous voyez, moi, les fakes qu'on faisait, on mettait rien. C'était juste fake. On met mon nom, photo, une petite description, oh, Landrine, comme ça, comme ça. C'est tout. Faut pas que ça vous démoralise.
et que personne ne vous démoralise. Donc voilà, voilà, on est arrivé à la fin de ma vidéo. N'oubliez pas encore une fois de liker, vous abonner, partager, enclencher la cloche de notification. C'était Land42, votre youtubeuse préférée. Bisous!